Et salut tout le monde, c'est Harmonium, nouvelle vidéo sur The Surge. Donc dans cette vidéo guide, je vais vous montrer comment obtenir cette armure que je porte, hein, qui est ici, qui s'appelle Iron Mouse. Donc, regardez là, c'est une armure qui elle est sympa parce qu'elle elle protège pas mal. Et en plus, elle consomme pas du tout du noyau. Alors que normalement, regardez, les armures consomment 4 et celle-là, elle consomme entièrement 0. Hein. Par contre, c'est un 7. Hein. Dès que vous mettez une autre pièce, hein, ça remet toute l'armure, par exemple, si vous mettez une seule pièce. Elle fait que si vous la portez l'ensemble, hein, ça fait que votre drone qui utilise le bouclier anti-cinétique augmente énormément votre stabilité. En gros, si vous avez le bouclier autour de vous, qui est ici, les ennemis ne pourront pas vous repousser. Ça peut-être pas marché, là je sais pas pourquoi. Donc, je vais remettre mon armure parce que elle est pas améliorée, hein, donc je vais me faire défoncer sinon. Mais je vais vous montrer comment l'obtenir. Donc, au préalable, il vous faudra des pièces. Je pense que vous avez tous obtenu déjà une pièce, vous savez comment les obtenir. C'est les pièces qui sont ici, c'est en tuant les robots pelleteuses. Vous savez les gros robots pelleteuses là qui il faut taper dans un endroit précis pour les tuer. Et ben il faut en tuer 5, hein, donc quand vous avez tué les 5, vous allez obtenir 5 pièces. Mais maintenant il faut savoir où les utiliser, donc je vais vous montrer dans cette vidéo où est-ce qu'il faut aller. Donc ouais, on va passer par le petit raccourci. Je vous montrerai dans une autre vidéo aussi comment obtenir le bâton que j'ai, hein, le bâton Carmina. Qui est extrêmement, mais extrêmement puissant, avec des dégâts élémentaires vraiment impressionnants pour tuer les gros robots là, que vous voyez à 4 pattes, c'est vraiment fantastique. Allez, donc c'est parti, je vous montre le petit endroit caché. Il faudra mettre les pièces dedans, il faudra en mettre 5, hein. Donc il faudra toutes les pièces, bien sûr. De tête, hein, je peux pas vraiment vous dire où sont les robots. Il y en a un dans la zone du début du jeu, il y en a un dans cette zone-là, il y en a un dans, dans les labos, hein, les labos classaires, etc. Par contre, le quatrième et le cinquième, je sais pas du tout. Je sais pas du tout où est-ce que j'ai obtenu les pièces. Donc, il y a trois endroits que je sais exactement. Je verrai si je vous fais une vidéo guide pendant le New Game Plus à chaque endroit. Je vous le ferai, je pense. Dès que je trouve un endroit, j'activerai la vidéo pour vous faire un petit truc sympathique. Je vais me soigner un petit peu. Allez. Le drone, voilà. Mon drone me protège. On va focus le drone. Là c'est pas évident, hein. J'aimerais bien tuer cet enfoiré, voilà. Allez toi c'est ton tour mon pote. Voilà, headshot. C'est bon, y'a personne. Donc là c'est juste ici, hein. C'est juste ici. On va fatal la cible. Et là, maintenant, vous avez la petite borne, on va dire, un endroit où vous mettez des pièces dedans. Vous mettez 5 pièces dedans, et là, be the iron. Et là, vous avez ici un piédestal avec l'armure complète à cet endroit. Et après, vous allez obtenir, du coup, cette armure qui est ici. Et du coup, c'est vraiment impeccable. Donc, voilà. Hein, donc, après, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire où sont les pièces, hein, je pense. Et ce sera très sympathique. Donc, voilà. Hein, je vous souhaite, bien sûr, d'obtenir cette armure. Elle est très sympathique, je pense qu'elle améliore au maximum. En plus, elle consomme pas du tout de noyaux, donc vraiment, ça peut être intéressant, je pense. Hein. Et voilà, donc je vous invite à laisser un petit commentaire, hein, si cette vidéo vous a aidé à obtenir cette armure, si vous ne connaissez pas. Hein. Et puis voilà, un petit pouce bleu sur la vidéo, comme toujours, vous abonner, etc., etc. Et voilà, je vous dis à la prochaine.